Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Guillaume, on se retrouve pour l'épisode 4 des 1000 vaches. Déjà, l'épisode 4, c'est bien, ça se passe bien, on est content de tourner, nous. Avant de commencer, je vous remercie tous. Là, on tourne l'épisode 4, mais l'épisode 2 vient juste de sortir, donc j'essaierai de vous lire des commentaires qui arrivent en temps réel. Bon. Pour le coup, vous, ça fera des commentaires d'il y a 15 jours, puisque l'épisode 3 est déjà tourné, vu qu'on prend un petit peu d'avance. Je suis en compagnie, allez, de la team, pas au grand complet, mais presque. Je suis en compagnie de Tsuwamono. Bonjour tout le monde. De Alexis. Bonsoir. De David. Bonjour. Et de Monsieur Feldman, alias Johan. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Donc voilà, on se retrouve dans l'épisode 4, on va avoir pas mal de boulot, on a encore pas mal de missions à faire, on a des ballots à ramasser et à ranger. Donc je pense que ça va bien nous occuper cet épisode. On va acheter du matériel aussi, puisqu'on doit faire l'analyse de nos champs. On est toujours sur ma map qui est en cours de développement. Vous pouvez nous suivre tous les dimanches matin de 9h à 11h, pardon. Pour les lives, voilà, mapping. 9h-18h, ouais. Hein ouais. Je dis quoi 9h-18h. 9h-18h. Non, 9h-11h. Oh, t'étais parti pour dire 9h-18h. Hein. 9h-18h. Ouais. Ouais, non, quand même pas, non. Non, quand même pas. Après, ce serait mon boulot du youtubeur, ouais, ça pourrait. Mais là, non, comme j'ai le boulot le reste de la semaine, si je commence à faire plus que ça, plus que des lives et des trucs comme ça, j'ai plus de vie derrière. Avant de démarrer l'épisode, n'hésitez pas à aimer, liker, partager et commenter l'épisode. C'est important. Pour nous déjà, parce que ça nous fait super plaisir. Et pour mettre en avant aussi la chaîne. Et la deuxième chose, si vous voulez acheter des farming, des DLC, des trucs comme ça, vous avez les codes dans la description avec Xenon074. Ça permet aussi de soutenir la chaîne indirectement. Voilà, on a une petite rémunération sur vos achats. On est parti ? Allez, on est parti, on est plus là. Allez, au revoir. On est parti. Moi, je dépense des sous. Puisque c'est ça, je pique le tracteur. Oh, donc voilà, donc Alexis, lui, il va prendre mon tracteur parce que j'ai un petit bug avec la fourche. Allez, on va tout casser. Tu me laisses la masse par contre ? Ah, voilà. Oui, monsieur. Il est là-haut. Ah, ah. Allez. Tiens, je la pose là. Ouais, pose-la. Donc David a eu son tracteur hein, aussi, pour le coup. Merci. Donc il est très content. Ouais, j'étais content. Il est mon tracteur. Il est très content. Bon, j'achète le scout à l'onde. Ouais. Ouais. Faites bien gaffe, hein, que ce soit du labour et ou de la préparation de champ. Hein. Il y a deux choses différentes. Ah, il a laissé la faucheuse là. Bon, pas grave. On va la remettre dans le... Hop. Allez, le champ, je me rappelle plus, on avait fait combien de ballots, tu te rappelles là-dessus ou pas? 65. 65? Ouais. Ah. Ah oui, on avait fait un peu moins. Ah. Et oui, le premier commentaire qui arrive, dites donc, de Mickaël Dolbeck. Hop. Ah. Allez. Bah le téléphone il veut pas. Il veut pas. Ah. Tu vas où? Oula. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah moi je vais récupérer la machine à cailloux. Ah oui, elle est là-bas. Ah oui, il faut la vider aussi. Ah, la vidéo, t'es gentil. Mais il me semble qu'on l'avait pas vidé là derrière. Non. Ah bah il est pas gentil, mais là. Pas, il y a un tas de cailloux là-bas. Ouais, mais non, c'est du décor. Ah, c'est du décor. Ah. C'est du décor. Merde, c'est pas la. Ah. Voilà. Donc je disais, petit message de Mickaël Dolbeck. Salut la team, super vidéo pour les cailloux. Tiens. Tu peux les transformer en chaud. Ouais, mais on a encore pas la machine. À côté là. Ah non. Là. Là. Ah. À côté là, le long du hangar.
Mais au pire, les cailloux... Les cailloux, posent les... Viens les poser là, au pire. Là où je suis. Si t'as possibilité. J'ai mis mes tirofoires, oui. Ouais, déjà, faudrait que je te voie. En face. Ah, pourquoi il y a Bambi qui traverse Viens poser là, dans l'arrondi, là. Ah. Ça roule. Posez ça là. Là, comme ça, au pire, on pourra les récupérer par la suite. Yep. Donc oui, bah du coup, oui, pour les cailloux. Du coup, franchement, j'aurais voulu le faire, le commentaire. Alors là... On aurait pas fait. On a pas fait exprès sur ce coup-là. Bah on fait jamais exprès, nous. Mais en plus, j'avais hâté la machine déjà avant que le commentaire arrive. Hein. C'est tout naturel chez nous. Et je suis pas en live pourtant, je crois pas, non. T'es sûr, on est pas en live. Hein. Attends, je regarde. Vérifier parce que j'ai des doutes, là. Hein. Non, c'est bon, il est pas en live. On est bon. Mais pourquoi? Ah, mais... Viens par là, la fourche. Viens par là, la fourche. Ah, voilà. Donc ouais, je suis super content que la série vous plaise. Déjà. Ça fait super plaisir. Ah. Hop là. Voilà. Et bon, maintenant, j'attends qu'ils reviennent. Voilà, hop. Je me suis pris dans l'arbre. Non. Ah non. Oh, quelle tristesse. Je me suis pas mangé les narres, la nanère. Oh. Comme il est méchant, David, il pense même pas à la communauté et tout. Pas mal, cette fois-ci. J'ai un autre oula, commentaire. Oula, mais oula. Du coup, pour nous, ça remonte puisque c'était la semaine dernière. Hello, Yannick Dieudonné, 742. Hello, excellente vidéo comme la map. Effectivement, il y a bien un club vosgien concernant les randos IRL. Continuez comme ça, vous êtes au top. GG à vous. Enfin, GG à tous, merci. Pardon. Donc il y a bien un club vosgien de rando. De quoi, du club vosgien? Ah ouais, apparemment. Bah ouais, je confirme. Pas au courant. Voilà. Le vosgien qui n'est pas au courant qu'il a un club de marché, lui, c'est pas mal. Et c'est l'Alsacien qui le sait, c'est fou. Hein. Bah oui, mais en même temps, si le vosgien il marche pas, c'est normal. Bah c'est bon. Temps de marché. On peut pas être et sur The Forest et aller marcher. Hein. Donc pour ceux qui... Pour ceux qui ne suivent pas les petits lives le week-end surtout, puisque le planning, je vais essayer de vous afficher un petit planning là quand même de la chaîne. Ça se passe surtout le week-end en fait maintenant la chaîne, puisque vous avez un live le vendredi soir qui est sur des jeux divers. En ce moment on est sur le The Forest 2, qui je pense va nous occuper quelques semaines. Mmh. Ouais. Le vendredi soir, on est sur la partie farming. Ça, c'est samedi soir. Oui, samedi soir, oui. Là, t'avais dit vendredi soir. Non, vendredi soir, on est sur les jeux à autre. Voilà. Le samedi soir, on est sur les jeux, sur farming. Mais on est sur une série forestière à l'heure actuelle. On aura peut-être des parties sur les 1000 vaches quand on aura des gros ensilages à faire, quand on aura vraiment des gros travaux à faire qui demandent du temps. On fera peut-être des lives dessus. Vous avez le dimanche matin, donc de 9h à 11h, je vais y arriver. Vous avez les live mapping où je développe la carte. Voilà. Et donc les vidéos des 1000 vaches. À 17h30 le dimanche en fin de week-end, histoire de se poser tranquillement et de se dire putain, j'ai passé un bon week-end, je me ferai bien une vidéo de la LFD. Voilà, histoire de finir le week-end en beauté. Et ce qui est bien, c'est qu'à 17h30, en général, comme la vidéo dure à peu près une heure, ça vous emmène jusqu'à 18h30, juste nickel pour l'apéro. Oh, parle pas d'apéro, Guigui. Oh. Tu habites ça où, chef? Devant le hangar, là, si tu peux. Mais t'aurais dû te mettre en marche arrière. D'accord. Parce que là, tu vas te faire chier. Tu vas te faire chier pour repartir. Donc on va les stocker là, le temps qui fermente. Comme ça, là j'ai vu, je suis allé vite faire un petit tour dans le champ avant.
On a à peu près une quarantaine de pourcents de fermentation. Donc on va attendre qu'ils fermentent. On en gardera peut-être quelques-uns. Parce que le temps que... Le temps qu'on ait nos vaches, je pense qu'on pourra peut-être en vendre déjà pas mal. Stop, c'est bon là, tu peux décharger là. Alors, comment on décharge? Y, normalement. Si je dis pas de conneries. Ouais, ça décharge sur tapis. Bah, puis moi je vais m'amuser à arranger tout ça maintenant. T'en avais combien 18, non? Un truc comme ça? Non, 24, toi, peut-être, je sais plus. 24, ouais. Ouais. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça les charge pas à plat, enfin, debout. Mais c'est pas grave, on va les ranger correctement. On va prendre le temps, on a tout l'épisode pour ça. Hop, on va essayer de les prendre deux par deux. Bon, qu'est-ce qu'il y a? On recommence. Pourquoi tu cries? Bah, parce que j'ai pas passé la marche arrière, j'ai passé la marche avant, puis je suis rentré dans le tas. Exposé les crampons. Ah voilà, et lui qui voulait ranger ça nickel, chrome, tranquillement. Bah, c'est raté. A tout cassé. On retourne à mon tracteur, c'est pas intéressant. Hop là. Bon, j'ai la poreuse. Oui, donc on a acheté la machine à faire les comment jouer avec la précision, les carottages, les prélèvements, les prélèvements, ouais, la prélèvementeuse. Ça va nous coûter bonbon cette histoire encore. Non. Ah oui, c'est vrai que les prélèvements sont payants. Bah oui. Mmh. Ouais, mais t'en fais pas 50 000 hein. Bah je fais tout le champ au complet hein. Oui, non, mais... Oui, non, mais... Oui, non, mais je vais pas plus abuser, quoi. Tu fais pas une tous les mètres, quoi. Ah, non, je vais faire comme ils me disent sur le marqueur, quoi. Après, s'il n'y a pas tout le champ, c'est pas non plus très grand. Hein. Ouais. Bon, le champ, il fait pas 300 mètres carrés, ça devrait le faire, je vais pas en faire 3 tonnes. Et en plus, le chef il m'a filé la carte bleue avec le code, alors je vais en profiter. Ah bon? Alors pour moi, ça sera 10 packs de bière, 20 paquets de saucissons. Non mais t'inquiète, j'ai la liste des courses. Ah bah rajoute ça sur ta liste de courses. Ah bah c'est déjà mis, ça fait un moment. Ah, nickel. Le chef il a dit qu'il offrait le barbecue ce soir. Ah, alors là, ça me va. Ouais, aubergine frites. et lait de soja. C'est pas ce qui est écrit sur la liste. C'est moi, c'est marqué saucisse blanche, chipolata, merguez, côte de bœuf. Non, mais ça c'est pour moi, ça. Pour vous. Ça rien. Oui, bah, effectivement, t'as rien. Bah, moi, je suis végétarien aussi, du coup. Hein. Mais oui, bah oui, moi, c'est pour ça que je suis flexible beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Bon, on va essayer de ranger ça proprement. Et là, il se couche avec le tracteur. Je rigole. Tac. Bon. Tracteur. Je vais recommencer un peu trop. Pas de commentaires. Et ton ado. Oui, mais je les trouve trop gentils dans les commentaires. Ils sont tous d'accord pour le tracteur de David. Alors... Bah, quoi, je suis content. C'est pas intéressant. Quoi, c'est pas intéressant? Regarde, même Yannick qui a l'instinct vient de dire qu'il est d'accord, donc... Bah oui. Ça prouve que les viewers, ils sont tous d'accord avec moi, vous avez tous votre tracteur, sauf moi. Non, non, ils ont eu pitié, c'est pas pareil. Merci, t'es gentil. C'est surtout ça, ouais. Bah oui. T'es gentil, merci. Merci aux viewers qui me soutiennent. En tout cas, ouais, non, ça fait vraiment plaisir. Puis même, je pense que ça doit se ressentir un petit peu. C'est vrai que j'étais un petit peu blasé là depuis un an de YouTube et tout. Et j'arrivais pas à comprendre vraiment les nouveaux algorithmes, les trucs comme ça.
Surtout quand je sortais les vidéos en solo. En fait, quand je sortais les vidéos en solo, on perdait plus d'abonnés qu'autre chose. Voilà. Même en faisant des vues et des trucs comme ça. Donc, j'arrivais pas à comprendre que là, grosso modo, déjà on a repassé les 52 000. Donc, déjà, ça fait plaisir. Putain, c'est pas évident les ranger côte à côte là, bordel. Donc, merci à vous déjà, d'une. Et comme je dis, hein, voilà, les abonnements, les likes, les commentaires, c'est un peu notre essence à nous qui nous permet d'avancer. Et ce qui nous motive aussi à... Bah, vous proposer du contenu, quoi. Voilà, puis le fait d'avoir des nouvelles personnes aussi dans la team, je pense que ça aide aussi un petit peu. Donc, même si je sais pas si on attire encore les bons numéros, mais... Oui, bah ça, c'est comme d'habitude, de toute façon. Je peux rien dire. Il y a peut-être un ou deux numéros qui sont pas très bons, quoi, mais... c'est pas grave. J'ai pas gagné au loto encore, sur ce niveau-là. Ah non. Non. Pour le coup... C'est un jour, hein. Ah, mais... Non. Tu vas peut-être même devoir donner de l'argent pour le loto. Au rythme où ça va. Bah, surtout avec le petit Saint-Etienne. Ouais, quoi. Ouais, quoi. Ouais. C'est qui vient de Saint-Etienne? Je sais pas. Je me demande. J'ai demandé c'est qui de Saint-Etienne. Je sais pas. Ah, c'est pas moi, tu es pas de Saint-Etienne. Ah bon? Ah. Ouais. Ça y est, je sais c'est qui. Bon, t'es pas loin de Saint-Etienne. Ouais, mais je suis pas de Saint-Etienne. Oui, ah, bah si, on comprend mieux pourquoi l'équipe de Saint-Etienne est très mauvaise au foot. La région stéphanoise, on va dire. Voilà. Parce qu'il y a Joanne dans les parages. Oula. Oula, non. Il a contaminé l'équipe de foot. Oh, les pauvres. Bah alors. Quoi? J'ai le temps de refaire un chargement que tout n'est pas encore rangé. Bah écoute, hein, la prochaine fois c'est toi qui le fais, hein. Non. Bon, vaut mieux que tu le fasses, hein, parce que mon rangement bon, bah est pas très... Bah alors, la gueule pas. La gueule le chef en plus. Non, c'est pas Y. Qui c'est Y? Ah, c'est pas évident parce qu'en plus ils sont collés. Ils sont bien collés en fait. Collés serrés. Et serrés, collés serrés. On se croit. Ah. Philippe, le demain, on sait pourquoi. Merci David. Demain il neige, il y a 1m50 de neige. On a tout la neige. Bah chez vous, pas chez nous. Chez nous ils annoncent du beau temps. Ouais, bah, il y a de la neige. Ah. Pourtant, on est pas loin, hein. Ben, moi, ils annoncent du beau temps. Nous, on a eu du très beau temps aujourd'hui. Voilà. Et bah, moi aussi. Avec quelques flocons en même temps, mais. Ah non, nous, pas de flocons, par contre, du vent. Ouais, pareil. Je confirme. Ah, pareil. Je me disais bien qu'il manquait un truc. Que j'avais plus de vent. Bah, tu vas peut-être derrière, alors. Si tu as plus de vent. On leur a peut-être expédié le vent. Ouais, c'est ça. Pas plus mal, hein. Non, c'est bon. Ça ira mieux avec un Manitou, quand même, là. Oh, il y a pas de frein du tout, ce tracteur. Oui, bah, quand on aura de l'argent. Oui, non, bah oui. Parce que là... Ouais, mais si David il a arrêté de piquer l'argent dans la caisse. Ouais. Je pique pas l'argent dans la caisse. On m'autorise à dépenser des sous. Dépense. Ouais, ouais, c'est ça. T'as juste piqué la carte bleue, il y avait le code dessus, donc t'as appris. Ouais, voilà, ouais. Il m'a donné pour faire les prélèvements. Je prends la carte bleue, pas de soucis. La liste de courses et tout. T'as bien mis un virement en place du compte du chef à mon compte. Hein. Chut, ça faut pas en parler. T'as bien pensé à ça.
Ça, c'est nos magouilles entre toi et moi. Même. T'as bien mis un avec 7-0 derrière. Hein. Et le reste. Il faut vraiment pas encore faire de l'argent, ces deux-là. Non. Non, mais bon, ça va, je leur ai filé une carte de Monopoly, en fait. Ouais. Ça. Ça, c'est fou, parce qu'elle fonctionne bien, la carte Monopoly. Hein. C'est clair. T'es sûr que tu t'es pas trompé? Ouais, mais en fait, vous avez pas compris. Vous a donné une carte, mais en fait, c'est vous qui payez. Oh, c'est directement prélevé sur votre salaire. Ouais, c'est ça. Ça va. C'est déjà pas très haut de salaire, donc... Comment ça, ils ont un salaire hein. Ouais, on est payé 3 fois plus que toi, t'as eu un peu. Ouais. Ouais, bah. 3 fois 0. Ouais. C'est un bon salaire, non? Ouais. Ah, au moins, c'est un salaire. 3-0 sur la fiche de paye, franchement, c'est mieux que 1. Bah, oui. Oh. Qui c'est qui a foutu le bordel dans ces ballots? T'aurais pu éviter d'avoir rentré dans les ballots, Alexis, hein, quand t'es venu. Et toi, hein? C'était déjà comme ça, mon cocher. C'est pas vrai. Moi aussi. Moi, j'ai la preuve de la vidéo, donc... Bah, moi aussi. Allez. Putain, et farming, j'espère que les ballots... Dans le prochain farming, les ballots seront mieux quand même. C'est bizarre, à chaque farming, on demande ça. Ou que les pinces pincent. Les pinces qui pincent bien. Ouais, pour ça, ouais, les pinces... pas la terrible. Fourche, le pic-pic et la pince pince. Ok. Bah oui. Bon, après, j'avoue que... scriptiquement, c'est assez balèze de faire un truc qui... Voilà. Mais c'est vrai qu'on a... on sent pas la force de l'hydraulique, en fait. Comment ça, tu fais des trous? Alors, les graines, David, on les plante pas à la main. Il y a une machine exprès. Hein. Mais je fais le carottage. Il plante des, il plante des carottes là. Carottes, je suis tranquille. Alors non, il n'y a pas les carottes sur la map. Et non, je les rajouterai pas. Oh mince. Il y a les serres pour ça. Oui, il y a les serres. Bah non, c'est pas des serres à carottes, je crois que c'est tomates et fraises. Bah, va falloir créer une serre à carottes. Ouais. Bah allez-y, je vous regarde. Parce que les carottes en général, c'est plutôt dans les chambres. Là. Bon, tu grimpes pas ton tracteur, hein. Non, par contre, j'aurais bien aimé qu'ils nous rajoutent, genre, les poireaux ou les trucs comme ça, tu vois. Parce que j'ai vu, bah, quand je suis allé faire ma formation poids lourd, c'est dans une région où, ouais, ils cultivent pas mal le poireau, les trucs comme ça. Ouais, ça fait des engins sympathiques. Je pense aussi qu'ils sont sympas, c'est des planteuses et des récolteuses à oignons. Il faut déjà qu'ils mettent les oignons. Bon, je pense qu'après ce qu'il dit, ça doit pas être évident non plus. Pareil que les patates. Une fois que t'en as quelques-unes, t'as juste à changer les types de culture et puis c'est bon. Hein. En patate. Mais bon, voilà. Le problème, bien souvent, de ces cultures un petit peu alternatives, c'est que bien souvent, c'est des machines qui ont été modifiées, qui ont été adaptées pour récolter tel ou tel. Il n'y a pas vraiment de machines. Pas comme les patates et les betteraves ou les trucs comme ça. Bien souvent, ça c'est... Ça marche un petit bois. Et une moissonneuse spéciale pour les petits pois. Oui, oui, mais c'est de la modification, quoi. C'est l'agriculteur qui a... Non? Non, non. Non, non. C'est pas un agriculteur qui a modifié, c'est bien comment on appelle ça, là? Un fabricant qui fabrique des machines spéciales rien que pour les petits pois. Ah ouais. Et la machine elle est bizarre au vide. Ouais mais c'est un... Voilà. Le problème c'est que c'est bien souvent c'est des petits fabricants. Et que bah farming ils connaissent pas forcément tout le tout quoi. Oui. Donc Tu fais le 41. Le 46 tu l'as fait tu sais. Bah de toute façon c'est le travail des champs ça.
Ah, tu fais les travaux de champ. Oui. Ok. Ouais, parce qu'ils en avaient marre de faire du labour. Ah, ouais. Bah ouais. On tourne à gauche, et puis j'ai fini. Bah, donc oui. Je dépose on tout ça, après, ça et je m'en vais dormir. Bah non, tu vas prendre une charrue, et puis tu vas aider Fellman à finir l'émission. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait avec les ballots, le monsieur? Bah, il essaie d'y remettre en ordre. Il essaie de les remettre en ordre. Il essaye. Comment est-ce que je dis? Il essaye. Et il galère un petit peu. Oh, je vais me mettre là-haut. Hein. Hop là. Donc voilà, je vous le répète encore, hein, la map est en cours de développement, elle ne sera pas sur console malheureusement parce que c'est une 4X. Et que y aura une version bêta qui va sortir d'ici quelques temps, on va dire. Voilà. Suivant l'état d'avancement. Voilà, le mieux c'est de venir pendant les live mapping. Comme ça vous savez absolument tout. Vous en saurez mieux. Vous pourrez voir qu'une map ça ne se fait pas en 5 minutes. Non, 6. Non, ouais, c'est vrai que ça prend un peu de temps. En même temps, il rajoute 10 000 idées à la con à la minute, alors c'est sûr. Bah, que ça... ouais, non, mais bon, pas, hein. le truc, c'est que voilà, le problème, c'est que t'as des idées, t'es obligé de les avoir, quoi. Comme là, en ce moment. Moment où on tourne la vidéo là, on est en mode. Merde, putain, ah, mais sérieux. On est en mode. Négocier un bétail. T'es obligé d'avoir un négociant bétail sur une map. Mais bon. C'est pas bon les animaux. Après, le problème, c'est que. Bah, c'est tous les à côté du négociant bétail qui faudrait pas. Ouais. Acheter du lisier, acheter du fumier. Une charrue, y'en a plus. Si, y'en a une à côté de la couvée essence. Y'en a une. Ah, elle est derrière, à côté. Oh, derrière, excusez-moi. Ouais, faut aller tourner des ballots. Ouais, c'est parti, je sais pas ce qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est parti. Voilà, je suis sur le 28 a été fait. Mm-hmm. Là, je suis sur le 40. Sur le 40. Tac. Donc voilà quoi. Et à savoir que pour l'instant, il y a même pas la moitié de la carte qui est développée. Mais dans la version bêta, vous aurez la moitié de la map qui sera développée. Je vais faire 71-79. Ok. Ça tombe bien, c'est des travaux de culture, ce. C'est de l'ouvrage. Bon. C'est des labours. Sûr. Ouais. Ouais, ouais. 71-79, ouais, c'est de labours. Ah. T'as, par contre, il est par rien par là. C'est peut-être le 69 que en machin. 69. Mmh. Ouais. Mmh. Faut faire gaffe à pas faire un tête à queue là-bas. Ouais. 69. Mmh. Bon, alors, on va essayer de se lire un petit commentaire quand même là. Ça fait déjà une demi-heure de vidéo. Pas possible. Ah. Apparemment si. Hein. Ah, alors là, c'est un très gros commentaire. C'est un très très gros commentaire de Patrice. Je trouve regrettable tes propos, quoi. Certes, tu as le droit d'être fier de ta map, mais tu n'as pas le droit de dire que tu penses que c'est la meilleure de farming.
Pour oser dire ça, il faut télécharger les maps et jouer avec... Et jouer avec. C'est ce que tu fais et c'est ce que je fais et après je juge. Je peux te signaler qu'il y a de très belles maps sur Farming, mais à ce que je vois actuellement, tu as peut-être une belle map. Mais elle est sans vie. On ne voit pas de village et une map, c'est un tout. Bref, je n'en ai pas plus, mais on ne juge pas sans se donner la peine de voir le travail des autres. Alors, détrompe-toi. Des maps, j'en télécharge moult et je regarde beaucoup de vidéos ou de streams d'autres youtubeurs. Bah si tu trouves ma map sans vie, bah c'est bizarre. Parce que moi je trouve... Ouais oui, alors c'est sûr, oui, elle a pas le trafic. Quand elle sera totalement terminée, quand t'auras toutes les pâtures des vaches, où tu pourras mettre des vaches dans tous les champs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de maps qui le proposent. Pas de ce que j'ai vu. On va dire chacun ses goûts et ses couleurs, voilà, je vais pas te dire oui ma map, voilà, c'est faut absolument que voilà, non. Si tu la juges comme elle est, bah ma foi. Voilà, mais pour moi, niveau graphique, niveau complexité, niveau jouabilité, c'est pour moi l'une des maps les plus complètes. Hormis, bah, et après il y a la Hofbeermann, mais voilà. Mais je trouve que dans les maps, il y a toujours un truc qui me correspond pas, déjà d'une. Tu prends la Hofbeermann par exemple, bah, pour moi elle a des champs qui sont trop grands, qui sont pas réalistes. Après c'est pareil, il hein, y en a dans la team qui jouent pas mal aussi, qui regardent d'autres maps, bah, j'écoute aussi un peu leur avis, et leur avis compte aussi pour moi, et ils me ressortent toujours la même chose. Ouais, on se fait des conversions, voilà, voilà. Je vais donner mon avis, vu que je télécharge aussi pas mal de maps du mode hub, de farming. Regarde des maps, c'est quoi? C'est du réchauffé, c'est du converti, comme tu viens de dire dessus. Et le problème qu'il y a, il n'y a pas de nouvelles maps qui ressortent, c'est tant des anciennes. Comme on dit, c'est du réchauffé. La Hofbeermann, par exemple, on l'a depuis... alors après, bon, c'est vrai qu'elle a évolué dans le 22. Elle évolue, machin, mais la base reste toujours la même. Mais voilà. La base reste la même. On l'a depuis le 15, hein, la Hofbeermann. Voilà. Là, j'ai vu qu'il y avait eu Belgique Profonde aussi qui était ressortie. C'est comment? Mais voilà, c'est du réchauffé. Alors certes, oui, elles sont améliorées, machin, nanani, nanana. Oui, ça, je suis d'accord. Moi, non, c'est pas des maps que j'apprécie, que j'aime personnellement. Pourquoi? C'est pas assez vallonné, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de 4X. Les 4X qu'on trouve style à l'américaine, c'est que du plat. Oui, ils font plus vite, donc. Voilà, il n'y a que des champs carrés. Sur les 4X, genre map à l'américaine. Après, si. C'est américain, c'est carré, c'est normal. Il y en a une de 4X qui était sortie. Il y en a une de 4X qui était sortie, mais ouais, c'est... Elle était pas si mal que ça, j'avais joué un petit peu dessus. Mais niveau décor, je la trouvais fade, voilà. Et après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, hein. Ah non, non, carrément pas, non. Carrément pas. Donc, après voilà, chacun son opinion, chacun sa façon de voir. Moi j'ai donné mon opinion personnelle. Je ne donne pas ce que j'ai exactement le même que ta vie, donc... Bah, faut dire qu'on squatte pas mal, voilà, on joue pas mal ensemble aussi. Ouais, on teste pas mal de maps ensemble aussi, mais ça arrive que pour le coup... Le truc qu'il y a, c'est qu'il faudrait que tu sortes de ma tête aussi. Quoi? Moi, c'est Ozzy qui est dans ma tête, et toi c'est Alexis.
Non, c'est pas ça, c'est que à chaque fois quand on commence un truc, machin, on sort la même idée, quoi. Alors après, oui, dans le commentaire là, qui a été dit, il n'y a pas de village, oui, bah oui, parce qu'il a encore pas fait le village. Mais quand il sera fait, voilà. Il y a le commencement du village. Il faut savoir, c'est que la map, elle est toujours en développement. Donc, c'est ça. Elle est pas finie, et c'est la map. C'est une map 4X surtout, donc c'est plus long. Et les petites maps qu'on trouve qui sont déjà sorties. Bah après, ça fait un petit moment que j'ai pas re-regardé les maps qui sont sorties. Écoute, j'ai regardé dernièrement, il y a quoi, comment elle s'appelle là? On n'a pas loupé grand chose, hein, franchement. Non, mince. Ah, c'en est aussi une qu'on avait déjà, qui était déjà sortie à l'époque. Oui, non, c'est pas la... Merde. Ah oui, j'ai vu passer le nom. Oui, voilà, tu vois ce que je veux dire, j'ai plus le nom exact en tête, je vais dire de bêtises. Parkerman, là, un truc comme ça? Non, ça, je l'ai revu passer aussi, celle-là, je crois. C'est pas les chaises. Non, pas les chaises. Ah putain, j'en ai vu une, ouais, qui est passée, qui était. Tiens, bah, et en même temps, voilà, bah, du coup, belle transition. On va demander dans les commentaires. Pour vous, quelle est la plus belle map? Tiens, comme ça, on pourra aller voir aussi un petit peu. Hormis la mienne, hein, voilà, parce que la mienne n'est encore pas sortie officiellement. Elle n'est même pas sortie du tout. Mais dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez une map pour vous qui est. Qui est la plus belle, voilà. Préférée, quoi. Votre map préférée? Non. Leur map préférée que ils aiment, quoi. Après, oui, il y a, comment elle s'appelle, Italia, qui était sortie sur le 19. Le 19, ouais. Mais je trouve que, autant, bon, bah, le corps principal de la map, c'est du réchauffé. C'est c'est une conversion du 19. Autant ce qu'il a rajouté en plus, je pense, c'est du bâclé. Voilà. Et c'est pas à la hauteur du reste de la map. C'est comme si moi, par exemple, dans les zones qui sont pas développées, je vous foutais des champs carrés, un bout de route peint en chemin, et puis hop, voilà. Hop, bah voilà, vous avez l'extension. Oui, avec ça, et puis voilà, c'est fini. Mais voilà, ouais. Donc, Donc voilà, ouais, dites-moi un petit peu dans les commentaires, comme ça en même temps, ça me permettra de voir. Je suis peut-être passé à côté de map, hein, c'est possible, hein. J'y vois pas toutes non plus, hein. Après, c'est peut-être des maps aussi qui sont hors du mode hub. Hein. Ah, aussi, oui. Ah, bah, aussi, oui. Parce que voilà, moi je regarde surtout les maps du mode hub, énormément. Je regarde pas sur les autres sites à côté, j'ai pas le temps. Honnêtement, j'ai pas le temps d'y aller. Bah, je regarde les maps qui sont le mode hub. Pendant un moment, j'y allais pas mal sur les sites à côté. Bien souvent, ouais, tu trouvais pas grand-chose. Et principalement les sites d'à côté, c'est pas tous les modes du mode hub et puis les remettre sur leur site, donc pas non plus. Hop, hey. Il y a un portal. Ah, une fois c'est pas un arbre, monsieur David. Non, il y a un portal d'intersection que j'avais pas vu. Tous les rouges et blancs, mais je l'ai pas vu. Oui, bah faut pas le couper celui-là. Je voulais tester s'il était physique et il l'est. Bon, okay. Par contre, à mon avis, on peut en stocker pas mal des ballots dans Rubanet, là, dans le coin, là. C'est bien, non plus. J'ai perdu un champ, moi. T'as perdu un champ. C'est encore plus fort, ça. Champ 43, j'arrive pas à le trouver sur le... Bah, il est entre le 44 et le 42. 5. Oui, 42, il est là, 41, 42. 44. Bon allez, moi les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5. Merci de nous soutenir, merci à tous, merci pour vos pouces bleus, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements pour ceux qui nous découvrent. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Sur ce, bye bye, ciao. Au revoir. Bye bye. Et pas l'apéro, bonne nuit. Ouais, bonne nuit, bonjour, bonne année.
Bonne santé, joyeux Pâques. Joyeux anniversaire. Bon 14 juillet. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin.